Normalement, si je clique... Merde. Si je clique là... Spoil ! Voilà ! Superbe ! Non, c'est superbe, c'est superbe. Donc, mesdames et messieurs, on va être prêts. On va être prêts pour cette annonce de la ZLAN 2023. Donc, la ZLAN 2023, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compétition multigaming qui se passe sur un week-end où, eh bien, des joueurs s'affrontent pour un enjeu colossal ou pas, d'ailleurs. Colossal ou pas, ça dépend. Ça dépend des années, ça dépend de ses ambitions, ça dépend de ce qui se passe. Bref! En tout cas, la présentation de la ZLAN 2003, c'est maintenant, tu sais, le truc où il y a Worms, là. J'ai pas fait de blague sur l'association défendue cette année, parce que c'était la blague que j'avais fait l'an dernier. Donc voilà, donc c'était assez... c'était, voilà, on voulait pas refaire, on va pas refaire, hein. 2023, pardon, ZLAN 2003. Peut-être 2003, on sait pas, hein. Alors, je vous cache pas, j'ai traité beaucoup d'informations ces 48 dernières heures, assez peu dormi. Peut-être qu'il va rester des choses qui vont peut-être être un peu gênantes, hein, effectivement. Ça a changé pour pas que Kenny coche son bingo. Non mais les gars, moi je vous dis, il y a beaucoup de choses du bingo de Kenny qui vont être cochées, parce que il a pas pris de risque. Voilà, normalement on fait des bingos, on marque des choses un petit peu loufoques et intéressantes, mais là il a... Voilà, il a go direct. Bon, on y va ! Alors, mesdames et messieurs, la ZLAN 2023. La ZLAN 2023. Alors comme très souvent... On va commencer par les nouveautés. Les nouveautés. Il y a beaucoup de choses nouvelles dans cette ZLAN 2023. Et je peux vous dire que va y en avoir des trucs. Il va falloir être concentré. Il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Et c'est aussi l'année où on introduit les emojis dans le PowerPoint. Donc voilà, clairement, j'espère que ça vous fait plaisir. La direction artistique est vraiment montée d'un cran. Alors qu'on vient de battre le record de France de Train de la Hype. Donc c'est bien joué. Merci à vous. Merci à vous pour ça. Donc, on va commencer par les nouveautés. Il y a des nouveautés et des bases qui restent un petit peu. Les nouveautés, bien sûr, c'est le format. C'est le format le plus nouveau qu'on a eu de nouveau dans l'histoire des formats nouveaux de la ZLAN. Donc, ça va être quelque chose qui va être totalement détruit. Tout ce que vous connaissiez avant de la ZLAN va être très différent. Alors, évidemment, vous allez démarrer à plein pour être un petit peu moins à la fin. Mais ça c'est la vraie première base. Mais le format, ça va être effectivement la première chose qui va vraiment être très changeante sur cette ZLAN. Ensuite, j'en avais déjà parlé, mais c'est important de le redire quand même. Pas de Worms, ça semble être une nouveauté qui a ravi pas mal de participants. Alors, pour le plus grand malheur du public, mais ne vous en faites pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de rire. Et là, vous vous dites, mais est-ce qu'on aura du coup un jeu où les gens n'auront pas lancé le jeu et tout? Écoutez, je pense qu'il y en aura. Je pense qu'il y en aura, et il n'y a pas de problème. Un autre point que j'avais mentionné un petit peu juste après la visite de Popcorn, j'en avais parlé sur Twitter, parce que ça a affolé un petit peu certaines personnes. C'est évidemment les qualifications. Cette année, c'est la première année où on aura des qualifications. Alors évidemment, je vais détailler un petit peu tout ça en détail. Je vais détailler en détail, bien sûr, un petit peu plus tard dans la présentation, même après les jeux et tout. Ça va être dans un temps un petit peu plus futur, hein, bien sûr. On va d'abord revenir sur les choses essentielles que vous devez savoir. Mais en tout cas, des qualifications, c'est une des nouveautés. Ça va pas qualifier beaucoup de gens en plus, mais on aura un petit peu de qualification. Et enfin, la dernière grande nouveauté, pardon, c'est que cette fois, vous ne venez pas en équipe. Bien que vous pourrez vous inscrire en duo, vous ne venez pas en équipe. Vous pouvez venir accompagner, mais vous ne serez pas en équipe. Vous ne serez pas associé, puisque c'est un format solo cette année. Donc, un format solo cette année qui va vous permettre de vous hisser jusqu'à la première place, évidemment. Bon, il y a aussi des choses qui n'ont pas vraiment changé. Donc, les bases, bien sûr. Les bases, c'est un cash prize qui régale, tout simplement. Quelque chose qu'on a beaucoup aimé l'an dernier aussi et qui va se refaire cette année. Pour vous, le chat, vous, l'audience, vous, les regardeurs, vous allez pouvoir choisir un jeu, évidemment. Parce qu'on trouvait que c'était quelque chose qui avait vraiment bien fonctionné l'an dernier. Et on trouvait ça bien cool. Et puis en plus, ça nous permet de nous dire si ce jeu-là est merdique, c'est pas de notre faute. Donc c'est superbe. Ce qui change pas, c'est 200 participants. Alors c'est vrai que, suivant les années, on a été soit un petit peu moins, soit un petit peu plus. Mais c'est compliqué de faire une ZLAN à 4000. Et c'est compliqué de faire une ZLAN à 30. Donc on trouve que c'est un bon format. Puis après, il y a tous les coûts, évidemment, liés aux joueurs, etc. Donc 200 participants. 200 joueurs, 200 participants, voilà. Et ensuite, quelque chose qu'on a renouvelé, et ça j'avais dit l'an dernier que ce serait quelque chose qu'on renouvellerait chaque année, il y aura du public le dernier jour, surtout le dernier jour de la ZLAN, bien sûr, puisque comme vous le savez, en général on les accueille que le dimanche,
Et ça, on en reparlera, bien sûr. Il y aura à peu près de 200 à 300 places. On est en train de voir ça. Ce ne sera pas achetable ce soir, les places, ne vous inquiétez pas. Ça prendra un petit peu de temps, le temps qu'on s'organise sur comment on fait bien ça en fonction de certaines choses qui bougent encore en termes de scénographie et tout. D'accord ? Donc, du public le dernier jour, bien sûr. On espère que vous viendrez nous voir. Ce sera super. Ça, donc ça déjà, c'est un bon... C'est pas un sommaire, c'est pas un résumé, mais c'est une bonne entrée en matière. Les nouveautés et les bases, bien sûr. Ce qui change, ce qui change pas, et voilà. Ensuite, mesdames et messieurs, alors là, on attaque quelque chose qui va être, je dirais, le nouveau cash prize. Alors le nouveau cash prize, hop, attendez, normalement, hop, voilà, nickel, celui de droite, hop, voilà, superbe, ça c'est superbe. Donc le nouveau cash prize, bien sûr, ça fait partie des choses pour lesquelles certains viennent à la ZLAN, et pour ça... Je sais que certains sur ma chaîne commencent à un petit peu vieillir et je sais que ça traîne un peu sur Facebook et j'ai pensé vous faire deviner le cash prize. Alors si je vous dis que cette pomme est égale à 5, si je vous dis que cette poire est égale à 2 et si je vous dis que ce raisin est égal à 0. Et alors là attention, plus dur, cet ananas vaut pomme moins poire. Donc attention, hein, attention, c'est déjà une épreuve dans l'épreuve évidemment. Et maintenant... Si je vous dis que le cash prize, mesdames et messieurs, il sera de pomme, poire, raisin, poire, ananas. Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, attends, 5. 5, 2, ça fait 5, ça fait 2, ça fait 0, ça fait 52 023 euros, bien sûr! Évidemment, ça fait 52 023 euros. Bravo à tous ceux qui avaient trouvé que l'ananas valait 3. Alors, pourquoi l'ananas vaut 3? Je vais vous expliquer. C'est parce qu'en fait, la pomme vaut 5, la poire vaut 2, 5 moins 2 égale 3, c'est bon, ça fait 52 023. Voilà, le compte est bon. Donc, bien joué à tous ceux qui l'avaient. Il faut savoir que... Ouais, seulement 10% de la population arrive à faire cette équation. Hein. Il n'y a pas de... Ça, vous le voyez, vous le verrez sur Facebook, effectivement. Seulement 10%. Si vous y arrivez, vous êtes un génie. Uniquement ceux qui ont un QI au-dessus de 250. 350, pardon. Donc, c'est 100% de la logique. Mais c'est vrai que voilà, seulement 10% de la population peut y arriver. Donc, bravo si vous y êtes arrivé. Je vous félicite. Et voilà. Oh, on va battre le record précédent du train de live. C'est écrit en haut. Regardez du chat. Donc, si vous n'avez pas réussi, c'est pas très grave. Cette année, pas de calcul mental à la ZLAN puisque ça a déjà eu lieu, bien sûr. Bon, alors bien sûr, quand on pense cash prize, on pense quoi? On pense podium, on pense répartition et on se dit qui va gagner combien? Qui va gagner combien dans cette ZLAN? Puisque c'est vrai que vu qu'il y a beaucoup de cash prize et qu'on est seul, est-ce que comme d'habitude le premier va amasser beaucoup d'argent? Est-ce qu'on a plus réparti? Est-ce qu'on fait un winner takes all? Je vous rappelle que moi, quand j'avais créé la ZLAN à la base, j'avais dit il faudrait que le premier ou les premiers gagne tout et que les autres n'aient rien. Et puis, au fur et à mesure, quand on a réalisé que si on faisait à peine 10% du cash prize pour la troisième place, c'était la LAN qui paye le plus en France, on s'est dit, bon, mettons un peu de cash prize pour les autres places, ce serait quand même pas mal. Bref, dans tous les cas, mesdames et messieurs, merci beaucoup hein, pour le soutien et les subs, je troll et tout, mais merci beaucoup pour votre soutien. C'est vraiment cool de voir qu'il y a autant de gens pour l'annonce de la ZLAN. Merci vraiment à tous. La répartition. Toutes ces images, évidemment, sont libres de droit. Hein. Creative Commons. Bravo Antoine Daniel qui a trouvé 52 023. Donc, toutes ces images, bien sûr, c'est du Creative Commons. Bien sûr, c'est libre de droit. J'ai tous les droits ici. Alors, mesdames et messieurs, cette année, vu que c'est en solo, on s'est permis de répartir un petit peu plus la tâche. À savoir que rien que si vous arrivez 8e dans la ZLAN, vous gagnerez 1000 euros. Donc ça, c'est déjà pas mal. Déjà, vous êtes 8e. Vous êtes naze, hein, c'est-à-dire vous êtes très très loin d'être premier. Vous êtes très très loin d'avoir gagné, vous gagnez 1000 euros. Si vous êtes 7e, vous gagnez 2000 euros. Si vous êtes 6e, vous gagnez 3000 euros. Si vous êtes 5e, vous gagnez 4000 euros. Si vous êtes 4e, vous gagnez 5000 euros. Et là, on arrive au podium. Là, on arrive au podium et ça devient un petit peu intéressant. Mesdames et messieurs, le troisième pour la ZLAN gagnera 6000 euros. Et si vous arrivez en finale, et donc que vous êtes minimum deuxième, vous êtes assuré d'avoir au minimum 10 000 euros. Donc 10 000 euros pour celui qui arrivera en finale et qui finira deuxième. Si vous gagnez, vous empochez tout ce qui reste, c'est-à-dire 21 023 euros pour le gagnant. Oui, mesdames et messieurs, vous empochez 21 023 euros pour le premier. Donc c'est la ZLAN qui paye le plus et c'est un très beau cash prize puisque eh bien, le fait d'être seul, ça permet de mieux répartir. Hein. C'est quand même incroyable. Donc,
C'est évidemment une LAN RTTB, mais on va en reparler, évidemment. Donc, bien joué à celui qui gagnera une année de SMIC brute, hein, même plus qu'une année de SMIC net, du coup, en première place. Bien joué à lui. Ça pourra vous faire eh bien, un bel apport pour, par exemple, financer votre retraite dans une caisse privée. C'est évidemment dans l'actualité. Mais pour ça, il faudra être très fort. Et en fait, il faudra pas juste être très fort, il faudra aussi être malin. Mais on va un petit peu en reparler, puisqu'il est temps d'oublier l'argent un petit moment pour passer, mesdames et messieurs, au point le plus important. Le point le plus important, et c'est pour ça que pour ça, je vous ai mis l'image d'un paysage, c'est vraiment le renouveau, nature sauvage, on part de rien. On part de rien et on recommence. Mesdames et messieurs, il est temps de vous parler du nouveau format. Il est temps de vous parler du nouveau format avant de vous parler des jeux, bien sûr, parce que ce format, il va déterminer si vous vous inscrivez, il va déterminer si ça vous intéresse, il va déterminer à quel point vous sentez que vous pouvez aller chercher ces 21 000 euros et des brouettes, ou ces 10 000 euros, bien sûr. Alors déjà, je préfère vous prévenir tout de suite et mettre un petit disclaimer, on va pas tout vous dire ce soir. On pourra pas tout vous dire pour des raisons, évidemment, de surprise, puisqu'en fait, vous, les joueurs, vous êtes les participants, bien sûr, mais... Ce qui intéresse les gens de la ZLAN, c'est ceux qui regardent, bien sûr. Hein. Vous, les joueurs, bon voilà, les joueurs, vous jouez, vous lancez les jeux, vous lancez pas les jeux, on vous connaît, bien sûr. Mais on veut garder quelques surprises. On veut garder quelques surprises. Après, attention, rien ne vous empêchera d'être le meilleur et de gagner. Je préfère vous le dire tout de suite. Parce que là, vous dites, mais attends, si on sait pas, est-ce qu'on va savoir comment il faut train les jeux et tout? Bien sûr, vous saurez quel mode de jeu il faut train et compagnie, d'accord? Fin de live sur le record, là. Donc, ce soir, je peux vous dire ce que vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas l'ordre des jeux, précisément. À savoir que dans les précédentes ZLAN, on vous disait, ben voilà, étape 1, vous jouerez à tel jeu. Étape 2, vous jouerez à tel jeu. Étape 3, vous jouerez à tel jeu. Étape 4, vous jouerez à tel jeu. Ça, c'est terminé. Parce que là, vous devez de toute façon plus composer votre équipe en fonction des spécialités. Vous devez savoir jouer à tout. Donc, il n'y aura pas d'histoire de « je fais l'impasse sur ce jeu-là, je fais l'impasse sur celui-ci parce que je pense que je pourrais aller là. Oh, moi, je compte passer que les deux premiers tours, donc de toute façon, je lance que ces deux jeux et après, ben, on verra. Et du coup, je crée du retard dans le planning parce que je n'ai pas installé les jeux et du coup, les admins essaient d'installer les jeux et mon PC, il bug et de... » Non. Vous aurez installé tous les jeux, vous aurez lancé tous les jeux. Sinon, ben, vous serez éliminé peut-être assez rapidement, effectivement. Hein, donc voilà. Bref, ça c'est ce que vous n'aurez pas. Il y a aussi quelque chose que j'avais dit sur Popcorn et que j'avais un petit peu répété, à savoir que ça va pas être un format uniquement solo. Parfois, vous allez vous retrouver allié avec des gens, mais ces alliés qui pourront peut-être devenir des ennemis. Bref, en gros, vos ennemis d'hier pourront être vos alliés de demain. Ou alors, ça marche aussi dans l'autre sens, vos alliés d'hier peuvent être vos ennemis de demain. Ce sera superbe. Et en plus, ça fait réfléchir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment réfléchir. Donc effectivement, ce nouveau format... il va chambouler les choses. Alliance évidente, bien sûr. Alors peut-être qu'il faudra faire des alliances. On verra. Il faudra voir en fonction de ce que vous voyez et ce que vous pensez pouvoir faire dans ce format-là. Et qu'est-ce que vous allez comprendre, bien sûr. Alors, on parlait effectivement de réfléchir, d'être plus malin que les autres. Mesdames et messieurs, je vais vous expliquer très succinctement. Oh là là, on va atteindre 100%. On va battre le record du train. Ok, je vais vous expliquer. Ça se fait en plusieurs fois, c'est hyper simple. Ça va être déjà hyper simple. À savoir, voilà, je vous ai fait un petit paint. Donc c'est facile. Vous partez de plein de gens qui sont seuls. Dans la ZLAN, hein, pas dans la vie, bien sûr. Hein. Ensuite, vous faites plein d'équipes. Ensuite, il y a un peu moins de gens seuls. Donc après, il y a moins d'équipes. Etc. Ok ? Donc en gros, c'est ça. Ok, ça c'est le format de la ZLAN. C'est super. Donc vous allez alterner les phases en étant seul et en étant en équipe. Ça c'est ce que vous devez savoir, ok? Ça c'est ce que vous devez savoir, évidemment. Ah ouais, c'est clair. Non mais attendez, on est qu'au début, bien sûr. Donc, si vous avez tout compris, si vous avez un Galaxy Brain, vous allez déjà noter évidemment qu'il y a quelques nouveautés déjà. Quelques nouveautés là-dedans, donc... en fonction des phases solo que vous allez compléter, si vous êtes extrêmement fort, vous allez avoir le droit de composer vos équipes avec les gens qui sont dans la ZLAN et qui sont un peu moins bien classés ou qui auront besoin de l'aide ou que vous connaissez polyvalent sur certains jeux. Donc, certaines d'ailleurs, vont composer des équipes. Ça, c'est une première chose. Il y aura des capitaines d'équipe en fonction de votre talent, de votre seeding. On verra ce qui se passe. Et il faudra peut-être un petit peu connaître certaines personnes dans l'événement ou pas. De toute façon, vous venez à deux.
Donc pas de problème. Alors bien sûr, ensuite, une fois que vous avez cette équipe, si votre équipe gagne, tout va bien. Normalement, vous passez à peu près à l'étape suivante et tout est OK et tout. Mais si votre équipe perd, eh ben, là, ça se complique. Là, ça va se compliquer. Alors non, vous sortez pas. Non, vous sortez pas du tournoi, ce serait violent. T'imagines, tu composes ta première équipe, tac, tu prends... Je sais pas, moi... Tu prends la douche sur un jeu... J'allais spoiler un jeu, truc de ouf. Mais donc voilà, si ton équipe perd... Eh ben... Elle devra éliminer quelqu'un en votant. Un joueur qui sortira de cette équipe. Et qui deviendra... Finalement, celui qui part. Pour les étapes différentes. Alors attention. Attention, parce qu'il faudra être malin. En plus de savoir jouer au jeu, évidemment. Donc si votre équipe perd... Elle devra éliminer un joueur en votant, effectivement. Donc attention. Alliance évidente. Alliance évidente, mesdames et messieurs. Faites attention à ce que vous faites. Attention à qui vous parlez. Attention à ce que vous dites. Vous en aviez marre du mercato? Eh ben voilà! Il est là, le mercato! Il est en direct! Vous allez pas nous saouler! Vous aurez un chrono, on vous dira « Composez les équipes, vous avez 10 minutes, let's go !» Donc, allez, bonne chance à tous pour votre mercato en direct, let's go! Sachant que si après, vous prenez les mauvaises personnes et que vous êtes éliminés, ce sera un problème. Bon, attention, c'est pas terminé. Attendez que je vous explique qu'il y aura peut-être un repêchage pour certains joueurs. Ce sera plus tard. Ok ? Bon ! Ça, globalement, c'est pour les phases de groupe, pour la Zilane qui avance, etc. Voilà. Vous avez compris un petit peu le système. Vous avez compris le système de la Zilane et comment vous allez avancer dans le tournoi. Ça, c'est au global. Concernant les phases finales, puisqu'il faudra bien, à la fin, qu'il n'en reste qu'une, bien sûr. Ce sera 8 joueurs. 8 joueurs qui seront qualifiés. Donc en gros, qui partiront dans les phases finales pour s'affronter sur une espèce de grande finale. Et alors là, je vais vous expliquer un petit peu. C'est un peu compliqué, mais ça devrait aller. Donc, il y a plein de gens qui arrivent, ok? Il y a plein de gens dans l'arbre du tournoi et tout. Et de ce plein de gens qui arrivent, vous savez, des équipes éliminées, des équipes qui ont réussi, machin. On sort 4 personnes, ok? On sort 4 personnes. Ça, c'est l'arbre du tournoi global. Il y a 4 personnes qui se qualifient en finale, direct, c'est énorme, c'est super. Mais du coup, il en reste 4. Et là, vous vous dites, comment ils vont arriver les 4? Ils vont arriver du repêchage, peut-être? Pas exactement. En fait, il y a deux joueurs, parmi les 8, donc le 5 et le 6e joueur, il y a deux joueurs qui viendront s'insérer dans la finale grâce à un vote des participants de la Zilane qui seront sur place et qui seront éliminés. Donc en gros, parmi les derniers qualifiés qui seront dans ce truc-là, il y aura un vote organisé avec tous les participants de la Zilane qui seront encore là et qui pourront être propulsés en finale. Ça veut donc dire aussi que même ceux qui sont éliminés auront du pouvoir sur l'issue finale du combat. Donc attention à ce que vous faites. Ce n'est pas un vote du public, ce n'est pas un vote parce qu'on voulait pas faire à la popularité et que ça triche pour les streamers, machin et tout. Non. C'est des votes en fonction de ceux qui sont là, à la Zilane, de certains éliminés. C'est pas toute la Zilane qui vote, attention. Hein. C'est pas toute la Zilane qui vote. Et évidemment, les deux suivants ne sont pas des votes du public parce qu'on voulait pas favoriser les fanbases et tout. Donc les deux suivants, ce sera le repêchage. Et oui, car en fait, toutes les personnes éliminées, je dis bien toutes, sans exception, iront dans un tournoi parallèle qui va durer tout le week-end et qui va permettre de remonter jusqu'aux phases finales au fur et à mesure. D'accord ? Toutes les personnes éliminées, sans exception. Même si vous êtes éliminé en premier parce que votre équipe a voté pour vous et tout, vous remontez, vous affrontez tout le monde et tout. Bon, par contre, c'est en single elimination en bas, là. Hein. Ici, il faut pas déconner au bout d'un moment. Hein. Au bout d'un moment, faut se barrer. Hein. il faut partir, monsieur, hein, d'accord ? Donc, vous avez une sorte de lower bracket et vous pouvez remonter au repêchage à la fin. Donc, vous avez compris, 8 joueurs qualifiés, 4 personnes qui viennent du winner bracket, entre guillemets, 2 votes des participants qui sont à la Zilane en direct, et donc 2 du repêchage. D'accord ? 2 du repêchage. Voilà. Et enfin, donc à la toute fin, les 8 joueurs, quand on les a, ces 8 joueurs-là, on les met dans un... Voilà, on les met ça, on les met là. Non, eux, ils s'affronteront, donc le dernier jour, c'est là où vous, le public, vous serez là pour voir ces 8 joueurs, on vous réexpliquera l'histoire et tout.
Donc les 8 joueurs s'affrontent dans des jeux et ils sont éliminés un par un jusqu'au duel final. Et c'est pour ça que vous avez vu que le cash prize, il part de 8 et il fait 7, 6, 5, 4, 3. Et ensuite, le duel final, c'est un 1v1 en BO7 en finale. D'accord ? Voilà. Donc il y aura la table finale en 1v1, bien sûr, pour tous ces jeux-là. Ok ? 1v1 en BO7. Donc le premier en 5, bien sûr, évidemment. Ok ? OMG, Skyhard contre Skyhard. Bon ! Pour le 1v1 en BO7, on a fait exactement la même chose que les années précédentes. On trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, une épreuve mystère pour enclencher le BO7. Ensuite, un jeu que choisira le joueur 1, un jeu que choisira le joueur 2. Puis, tous les jeux tirés au sort jusqu'à ce qu'un joueur ait 5 manches par rapport à l'autre. Donc ça, c'est exactement comme les années précédentes. Pas vraiment de nouveauté là-dessus. C'est un format qui marche très bien. Et on est vraiment très content. Et à la fin, eh bien, il y aura un grand gagnant, bien sûr. Un grand gagnant qui sera sacré grand champion de l'Asienne. En 4, pardon. BO7 en 4. Excusez-moi, j'ai dit en 5, ce sera en 4. Donc un grand champion, bien sûr. À la fin de l'Asylan, vous pouvez mettre la petite croix dans le... Hein ? Let's go. Bon ! Ah, encore des ombres. Alors maintenant que vous savez ça, vous connaissez pas encore les jeux. Vous connaissez pas encore les jeux. Hein. Vous connaissez pas encore les jeux. Donc là, vous connaissez le format. Vous avez un petit peu voilà, l'ambiance de tout ce que ça vous donne. Donc comment ça se passe ? Voilà, imaginez, vous êtes fatigué. Vous marchez au soleil. Vous venez de vous réveiller comme ça. Vous êtes là en mode... Oh, comment ça se passe ? Au secours et tout. Bah, c'est très simple. Installation le jeudi, comme d'hab, en fait. Comme d'hab, effectivement. Tout doit être prêt à 15h le vendredi. Donc, réglage, répétition, vos PC qui bug, les jeux que vous lancez pour la première fois, etc. Sachant que vous soyez streamer ou non streamer, c'est la même chose. Donc oui, si vous comptez participer à la ZLAN et que vous voulez arriver vendredi à 20h, c'est pas possible. Il faudra arriver le jeudi. Il faudra arriver le jeudi à ceux qui veulent poser des jours, machin. Prévoyez-le quand vous aurez la date et tout, machin. Ok ? Voilà. Dans le détail, ça donne ça. Jeudi, les joueurs arrivent. Vendredi, début de la ZLAN à 18h, donc en live et tout. Mais nous, on aura besoin de vous à 15h pour faire des répétitions sur plein de trucs, parce que c'est un peu comme une émission de télé streamée LAN, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a des entrées, des trucs micro, caméra, des trucs où on vous dit d'aller, etc. On a besoin de vous parfois pour faire des photos, pour des trucs. Bref. Donc, jeudi, les joueurs arrivent. Alors, vous dites jeudi matin ? Non. En général, c'est jeudi après-midi, voire jeudi en fin d'après-midi, d'accord ? Voilà. Donc vendredi, début de l'année à 18h, samedi, après-midi plus soirée, dimanche, après-midi plus soirée. En général, on commence vers midi, 13h, le samedi et le dimanche, voilà, en fonction du planning. Vous avez vu qu'en plus, il y a beaucoup de choses dans le planning. Comment ça, les PowerPoints ont régressé ? Ah non, moi, je trouve pas. C'est parce que t'as pas dû voir les emojis tout à l'heure. Mais effectivement, non, je pense pas que ça ait régressé. Au contraire, je trouve que les moyens sont décuplés cette année. Merci beaucoup. On a battu le record du train de live, let's go ! Bon ! Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Il est temps de passer, mesdames et messieurs, à la présentation des jeux de la ZLAN. Les jeux de la ZLAN, bien sûr. Les jeux de la ZLAN, bien sûr. Vous pensiez que le texte allait se mettre au milieu et centré ? Non, non, non. Alors, bien sûr, hein, on a beau voir... J'ai mis 2022. Oh putain, c'est 2023. Eh ben, ça tombe bien. Vous savez pourquoi ça tombe bien qu'il y ait écrit ça ? Parce que regardez ce que j'ai écrit en bas. Tout ce que vous allez voir dans ce qui va suivre peut être sujet à changement. Des fois, on change des trucs. Voilà, c'est comme ça. Tout n'est pas gravé dans la roche, comme le disait Sniper, il mentait. Donc, ça tombe bien qu'il y ait une petite faute exactement sur cette diapo-là, puisque c'est dans cette diapo qu'il y a écrit que, de toute façon, il ne faut pas se fier à cette diapo. Donc, au moins, voilà. Vous avez tous vu, vous savez, on peut passer aux jeux vidéo, mesdames et messieurs. Alors... Des cailloux, bien sûr. Des cailloux. Enfin, pas des cailloux. De la plage. Plutôt une plage, en réalité. Une plage de cailloux. Une plage de cailloux, la plage, le soleil, le sable blanc. Non, pas le sable blanc, du coup, le sable gris avec les cailloux. On est clairement aux alentours de Palavas-les-Flots, je pense. Quelque chose comme ça. Mesdames et messieurs, vous le savez, chaque année dans la ZLAN, il y a un speedrun, et c'est par ce speedrun qu'on va commencer, mesdames et messieurs, cette année. Il y aura le speedrun de Minecraft. Oui, le speedrun de Minecraft sera là, c'est celui-là, le speedrun de cette année. Un speedrun un peu spécial, puisqu'il faudra... il sera en 7 seeds, donc en seeds prédéfinis.
sites prédéfinis avec quelques checkpoints sur la route. En fait, il n'y en aura que un ou deux en réalité. On va vous donner les détails plus tard. On est encore en train de finaliser tout ça. Et on parle à des experts, bien sûr. Donc, sites prédéfinis en 7 seeds sur Minecraft, bien sûr. Donc, allez tuer le dragon. Ça, c'est le premier jeu de la Zilan. Voilà, le speedrun de Minecraft que je sais très populaire en ce moment sur Twitch. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent, qui en font, qui cherchent les stratégies et tout. Donc, le voici, votre speedrun Minecraft. Il est là, il est beau. Il est formidable. Pour tout ce qui est version du jeu, où seront les checkpoints, comment ça se passe, les 7 seeds et tout, vous aurez toutes les infos, vous inquiétez pas. Mais ce sera le speedrun le plus populaire, faut pas déconner. Ensuite, oh là, qu'est-ce que j'ai mis là? Oh non, j'ai un problème là. J'ai un problème, il manque le logo du jeu là. Y a pas le logo du jeu. Merde. Je sais pas pourquoi. En vrai, bizarre. Ah non, je sais. Hop. Hop là. Fall Guys, mesdames et messieurs. Parce que j'avais inversé les deux. Ouais. Fall Guys, mesdames et messieurs. Jouez en phase de groupe. Lobby de 38 joueurs. Sur quelques maps. Voire règlement bientôt. Alors effectivement. Fall Guys. Qui est un jeu qu'on aime beaucoup. Hein, qui est un jeu qu'on aime beaucoup. Avec des lobbies de 38 joueurs. Parce que vous savez pas quoi? Vous savez pas ce qu'on a appris aujourd'hui? Que les lobbies de Fall Guys, bah c'est plus 60, c'est 40. Depuis quand? Bah depuis un mois. Et pourquoi ils ont fait ça? Bah parce qu'ils voulaient absolument pas qu'on garde notre format Zilan qu'on avait bossé jusqu'à aujourd'hui. Du coup, on a tout changé aujourd'hui. C'est super ça! Merci beaucoup. Donc ça a un peu changé. On a dû faire des trucs aujourd'hui par rapport au format et tout. Mais tranquille, on a su rebondir. Donc c'est plus du tout 60 Fall Guys, c'est 40 grand max. Donc nous on met 38 parce qu'on a besoin d'un admin et d'un ops. Et voilà, donc Cimer pour cette nouvelle qu'on a eue cet après-midi. C'est top, mais on va pas changer. Attention, c'est 38, hein, effectivement. Et non pas donc 58 comme on voulait le faire. Après tout, qu'est-ce que ça change? 20 joueurs en plus, 20 joueurs en moins. Au pire, ils vont dans le loser bracket, hein, vous vous débrouillerez. Bref, on en reparlera. Ensuite, vous le savez, chaque année à la Zilan, il y a quasiment un jeu de course. Ah merde, j'ai pas pris. Putain, si Tissot veut sponsoriser la Zilan, hein. Il y a déjà les... Ouais, non, ils sont pas sponsors. Hein. Donc s'ils veulent, il n'y a pas de problème. En plus, je connais Domingo, hein, donc franchement, il n'y a pas de souci, c'est open. Mesdames et messieurs, il y aura un jeu de course à la Zilan. Et ce jeu de course, ce sera Trackmania. Ce jeu de course, ce sera Trackmania, parce que finalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Trackmania. Et comme on sait que la Trackmania Cup, elle est finito, eh ben je me suis dit, pourquoi pas faire un petit peu de Trackmania. Ce serait super agréable. Alors, il y aura 4 maps pour la Zilan que je vais faire. Les maps n'auront rien à voir avec la difficulté des Trackmania Cup, ce sera bien plus simple, évidemment. Ce sera pas des maps de niveau Trackmania Cup, ce sera des maps de type « j'ai pas eu le temps de lancer le jeu ». D'accord? Mais attention, plus les maps sont simples, plus c'est difficile d'aller grappiller des secondes envers les gens qui savent jouer au jeu. Ok? Donc Trackmania, il y aura effectivement du mapping dès cette semaine. Et pourquoi? Parce que Trackmania sera aussi joué dans les qualifications. Tout à fait. Ce sera jouable en groupe, en FFA, en duel, et il y aura 4 maps pour la Zilan. Alors je précise que il n'y aura pas les 4 maps pour les qualifications. Pour les qualifications, il y aura une seule map. Mais on en reparlera. On en reparlera, d'accord? Et on va se mettre à faire du mapping là dans la semaine, un petit peu plus tard. Pas ce soir, mais un petit peu plus tard dans la semaine pour le mapping Trackmania. D'accord? Des maps The Event, quoi. Ouais, un peu du genre, ouais. Des maps où tout le monde peut avancer à peu près, normalement. Bref! Suite. Alors ça, c'est quoi, ça? Ah oui. Ouais, parce que les images libres de droit, on n'a pas toujours le choix sur ce qu'on fait et tout, donc c'est un peu compliqué. Mesdames et messieurs, pour le jeu suivant, nous aurons... un FPS. Et puisqu'on a parlé de Trackmania, laissez-moi vous parler de Shootmania. Alors c'est vrai qu'on l'a déjà vu à la Zilan, on l'a déjà vu en Royal Race, mais là, on s'est dit, pourquoi se limiter à la Royal Race quand on peut avoir... du mode Royal Race dans les phases de groupe, du mode Elite dans certaines phases du tournoi, et du mode Juiced dans les phases de duel. Donc en réalité, ce sera Shootmania Storm dans son ensemble. Alors on reparlera de ces modes, bien sûr, hein. Peut-être même qu'on rejouera, évidemment, dans ces phases-là pour vous expliquer ce qui se passe, mais en tout cas, du Shootmania va rien avoir. Donc je rappelle, le mode Royal, c'est la petite course d'obstacles où il faut prendre le poteau et il peut y avoir plein de joueurs sur la map. Le mode Elite, c'est le 3v3, mais en fait 3 contre 1 asymétrique, 1 joueur Railgun, 3 joueurs Rocket. Le mode Juiced, c'est le mode duel, où vous avez des bonus un petit peu à la Quake, un petit peu. Et voilà.
Ça nous faisait plaisir. Ouais, ça nous faisait plaisir d'avoir, d'avoir Shootmania, effectivement, en deux retours, tout simplement. Et en plus, ouais, le mode juice, effectivement. Ensuite, une petite musique de combat derrière. Ensuite, alors ça, qu'est-ce que c'est, ça? Je sais pas ce que c'est comme ville. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas très propre, les vitres, là. Power Wash Simulator, bien sûr, mesdames et messieurs, vous nettoirez des bâtiments, vous nettoirez des objets, vous nettoirez des trottoirs, vous nettoirez des murs, vous nettoirez des vitres. Power Wash Simulator sera l'un des jeux de la ZLAN 2023 avec du speedrun en groupe de 4, plusieurs niveaux à connaître, bientôt disponible, qu'on va vous expliquer, et restriction de quelques buses. Alors il ne s'agit pas d'une quelconque insulte capitaine Hadokienne, mais bien, eh bien des limitations, des armes, des karchers que vous pourrez avoir dans le jeu. On vous en reparlera bien sûr. Par exemple, la triple buse sera évidemment bannie, vous le savez. Pour tous les experts de Power Wash Simulator, vous le savez, il y aura des bannissements. En tout cas, on ne pourra pas faire n'importe quoi. Power Wash Simulator, donc, jeu de la ZLAN 2023. Évidemment. Ensuite. Wow, ok! Ah oui, le jeu des enfants. Parce que c'est vrai que chaque année, il faut le jeu des enfants. Et là, vous voyez du sable, vous voyez jeu pour enfants, vous vous dites, bah oui, Minecraft, c'est évident. C'est évident. Sauf qu'en fait, on a déjà vu Minecraft. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Écoutez, on avait envie d'un jeu un petit peu sandbox, qu'on a pas vraiment vu, et qui en même temps a fait un petit peu parler de lui sur Twitch, que beaucoup de gens connaissent, mais que peu ont essayé. Alors qu'il est possible de faire pas mal de choses, et on connaît des gens pour nous aider à faire des choses là-dedans. Mesdames et messieurs, c'est la première fois qu'on aura du Garry's Mod dans la ZLAN 2023, et il y aura pas mal de choses, pas mal de modifications aussi. Donc Garry's Mod sera pour la première fois à la ZLAN 2023, avec donc du parcours d'obstacles en mode Death Run. Il y aura pas besoin de connaître à fond le jeu, on vous expliquera, il y aura des maps révélées en avance, il y aura pas de mapping, et probablement une ou deux règles spéciales, ça on en reparlera un petit peu, mais donc... Effectivement, on va prendre des maps qui existent, qui sont assez connues, etc. On a déjà pas mal discuté avec des gens qui sont très au fait sur Garry's Mod et qui nous ont beaucoup conseillé, parce que moi-même, connaissant pas trop le jeu, mais on en a un petit peu parlé ensemble et tout, on trouvait que c'était une bonne idée. Et donc, pourquoi pas un peu de Garry's Mod, finalement? Pourquoi pas un peu de Garry's Mod? Bon. Je sais pas où on en est du nombre de jeux, là. En tout cas, on est à peu près à la moitié du PowerPoint. Non, je plaisante. Parce que ça va vite maintenant. Diapositive numéro 18. Mesdames et messieurs, la neige. Connaissez-vous la neige? Pas la marque de cosmétiques, effectivement. Pas ça. Pas les flocons. Pas le truc qui tombe du ciel et qui recouvre de blanc la terre. Non, pas ça. Connaissez-vous Northgard, mesdames et messieurs? Et oui, c'est le jeu de stratégie de cette année qu'il y aura à la ZLAN 2023. Northgard, qui est un jeu fait par des Français, on en reparlera bien sûr, on les connaît très bien. Northgard qui peut se jouer jusqu'à 8 dans des lobbies. Ils ont d'ailleurs développé un mode spectateur exprès pour la ZLAN. Big up à vous, vraiment, vous êtes adorables. Et il va entrer en test demain. Pour la petite anecdote, Northgard qui disait « On va mettre en build le spec mode là, il y a une semaine, ils nous disent ça. » On leur dit « Non, ça va peut-être leak des trucs pour la ZLAN, attendez une semaine. » Ils étaient en mode « Ok. » Donc, merci à vous, évidemment. Et donc, jouer dans les phases de duel, jouer en FFase, non, FFA. Là, c'est une faute de frappe, parce que le problème, c'est que comme j'ai des doigts de gorille, bah, des fois, t'appuies sur A et ça fait Z en même temps. Donc, jouer en FFase, en équipe ou en duel. Ah ben, j'ai mis « Jouer dans les phases de duel, jouer en FFA en équipe ou en duel. » Donc effectivement, beaucoup de duels. Hein. Et jusqu'à 8 personnes dans les parties. Ouais, une slide qui aurait pu être plus bossée, hein, effectivement. Une slide qui aurait mérité relecture, hein, effectivement. Donc du FFase, évidemment. Jusqu'à 8 personnes dans les parties, donc. Et avec un spec mode. La slide de 7h du mat, hein, effectivement. Effectivement, une petite... bon, tranquille. Pas de soucis avec ça. Alors, poubelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai mis? Oh! Alors là, on a l'impression que c'est un camp d'entraînement militaire. Ça ressemble d'ailleurs au camp militaire de PUBG, maintenant que j'y pense. Mais c'est pas du tout PUBG, le jeu. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais ça ressemble vraiment, hein. On dirait le camp militaire de PUBG et tout. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, le jeu. C'est pas ça du tout. Mesdames et messieurs! Alors, le jeu que je vais annoncer maintenant...
C'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur parce que ça, normalement ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Ce que vous allez voir là, ça n'existe pas. Normalement c'est impossible. Mais les éditeurs nous ont permis de le faire. Et je suis super content que ça puisse avoir lieu. Et d'ailleurs on reparlera du fait de pourquoi ça s'est fait et comment ça s'est fait et tout. Et je voulais absolument le mettre parce que ça a été un peu le jeu de ces années pour moi. Et je me suis dit là... Le format va permettre de le faire, mesdames et messieurs. Nous aurons Valorant à la ZLAN 2023. Et merci beaucoup à Riot Games qui a permis que ce jeu soit posé à la ZLAN. Alors que, je peux vous dire que... en général, ça se passe pas trop comme ça, mais... On a beaucoup discuté avec eux et ils étaient à fond. Ils ont... Je sais que ça a bataillé du côté Riot France pour expliquer à Riot Monde. Alors, il y a un type qui fait une compétition multigaming. Alors c'est un peu compliqué. Quoi, c'est sur Valorant? Alors oui, mais il y a autre chose. Parce qu'en fait, il y a aussi d'autres jeux. Quoi, quels autres jeux? League of Legends? Alors non, pas League of Legends. En fait, c'est d'autres jeux, d'autres. Donc ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Mais il y aura du Valorant à la ZLAN 2023. Ce sera évidemment joué en 5v5, comme dans les tournois, comme ce que vous voyez quand Mandatory joue par exemple, partie normale en 13 points, ou overtime si c'est 12-12, et avec des coéquipiers rencontrés sur place. Parce qu'effectivement, il va falloir matcher avec ce que vous pouvez, ce que vous avez, ce que vous trouvez sur le tas, hein, effectivement. Donc ça va pas être toujours simple, ça va pas être toujours simple, effectivement, mais Valorant il y aura. Valorant il y aura, bien sûr, donc attention. Attention, attention. À mon avis, il vaut mieux aussi bosser tous les agents. Parce que si vous arrivez dans une game et qu'il y a un type qui peut jouer qu'un seul agent, ça n'existe pas. Personne ne joue qu'un seul agent. Vous imaginez si vous connaissez une seule personne qui jouait un seul agent. Non, ça n'existe pas, ouais, ça n'existe pas. Ni dans Game Pro, ni en streamer. Non, personne joue un seul agent. Personne joue un seul agent. Un seul agent. T'imagines? Non, ce serait abusé. Un seul agent. Ça veut dire que si d'un coup ton agent il devient naze, qu'est-ce que tu fais? Tu changes d'agent ou tu râles? Mais non, tu râlerais parce que tu voudrais rester sur cet agent et tout. Non, impossible. Donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas les gens qui jouent qu'un seul agent. Donc je vous invite à bosser plusieurs agents, effectivement. On ne sait jamais que vous deviez fill. Et donc remplir ce qui manque en termes de rôle, évidemment. Bref! Alors, beaucoup de voitures. C'est vrai qu'on a parlé de jeux de voitures. C'est une image libre de droit. Hein. C'est pas parce qu'il y a écrit déposit de photo, machin. C'est quand même libre de droit. Hein. Donc bien sûr! On va tous devoir apprendre à nous garer avec Yusuke at Parking, bien sûr. Vous l'avez découvert, peut-être, certains. Dans la soirée du lundi, il y a de ça à peu près quelques jours, quelques semaines. Eh bien, il sera à la ZLAN 2023, mesdames et messieurs. Yusuke at Parking, avec un logo que j'ai un peu trop étiré, visiblement. Mais ce sera des parties de 8 personnes. Big up à Yusuke at Parking qui a développé un spec mode pour nous quand on leur a demandé si on pouvait mettre le jeu à la ZLAN. Merci beaucoup à eux. Des gros bisous. Thank you, Dev, for the spectator mode. Donc, voilà. FFA ou duel selon l'étape du tournoi sur toutes les maps du jeu. Ils ont développé un mode spectateur pour la ZLAN. Donc, merci beaucoup. Ça fait 2 personnes qui ont développé des modes spectateurs. Ça fait trop plaisir. Et voilà. Parce que maintenant, voilà, on s'est dit, plutôt que de prendre les POV, est-ce qu'on irait pas voir les devs si on les prévient bien en avance et qu'on a les spec modes, ce serait pas mal et tout. Et donc, on a réussi à faire ça. Donc, c'est super. Yusuke at Parking. Bon, ça en fait des jeux, hein. Vous inquiétez pas, plus que 4 jeux et c'est terminé. C'est la première ZLAN à 30 jeux et... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, ce que vous voyez devant vous, c'est une école. Je crois que c'est ça, non? Ouais. Enfin, en tout cas, c'est l'entrée de service de l'école. Donc, tous les ans, à la ZLAN, tous les ans, vous avez une épreuve dite scolaire. Donc, en gros, une épreuve scolaire, vous avez eu... on a eu quoi? On a eu la dictée. On a eu calcul mental. On a eu... qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Aidez-moi. On a eu GeoGuessr. On a eu... qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je me rappelle pas. On a eu... je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'il en manque un. On a eu le TUSMO. Le SUTOM. Effectivement, le ZUTOM, même, avec un grand Z. Cette année, c'est pas vraiment une épreuve scolaire. Mais c'est une année qu'on a... C'est une année. C'est une idée qu'on avait déjà depuis pas mal de temps. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas la mettre cette année. En plus, avec... avec le format un petit peu solo, ça pourrait être plus simple. C'est pas vraiment une épreuve scolaire, mais c'est une épreuve, on va dire, ludique, pour les enfants, comme les grands-enfants, j'ai envie de dire. Mesdames et messieurs, cette année, vous allez faire du puzzle, bien sûr! Donc, comment ça va se passer? Vous aurez tous, les 200 joueurs sur place, un puzzle à compléter. Dans un temps donné, évidemment. Devant votre table.
On va vous donner un temps, ça va être top chrono, vous allez devoir faire un puzzle. Et en fonction des pièces qui vous restent, ça vous classera, sauf si vous arrivez à finir avant les autres. Auquel cas, vous appuierez sur un truc qui dira « j'ai fini mon puzzle !» Et comme ça, ça vous classera, évidemment, dans les classements, d'accord ? Dans les classements global de la Zilane. Alors bien sûr, nombre de pièces à découvrir sur place, épreuve d'environ 25-30 minutes, ça peut changer, ça peut être 40. Puzzle personnalisé que vous pouvez garder. Vous pouvez regarder ce puzzle. Peut-être même qu'on en fera un petit peu plus pour les vendre sur la boutique de la Zilane pour soutenir l'événement. Parce que tu coco, événement dur à financer et tout, et si ça peut vous faire plaisir et ramener un petit peu de sous-sous dans la peau-poche de la ZZ, Lan-Lan, eh ben, pourquoi pas. Donc, petit puzzle personnalisé, nombre de pièces à découvrir sur place, épreuve d'environ 20-25-30 minutes, évidemment. Hop. Hop. Voilà. Mais oui, oui, oui! Bien sûr. Donc, puzzle. Excusez-moi, c'est le staff qui me dit c'était prévu les... non, non, les puzzles, bien sûr. Bon! Donc ça, c'est l'épreuve scolaire, d'accord? La vraie question, c'est quand? Oh, minute! On est à la moitié du PowerPoint, là. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est bientôt terminé, en réalité. Ensuite! Mesdames et messieurs! Le vote. Le vote. Alors le vote, mesdames et messieurs, avant de passer au vote, enfin avant de vous montrer le vote, de vous donner le lien du vote, déjà il faut que j'active le lien, et ensuite je vais vous montrer quand même, je vais vous montrer, je vais vous montrer les 4 jeux qu'on a sélectionnés pour le vote de la Zilane, d'accord? Je vais vous montrer les 4 jeux qu'on a sélectionnés pour le vote de la Zilane. Vous allez pouvoir en choisir un sur les 4, celui qui aura le plus de votes, mesdames et messieurs, eh bien, il sera tout simplement en line-up de la Zilane. Je vous laisse. On se met la petite vidéo en plein écran. Elle est sur YouTube en non répertorié, mais vous aurez le lien dans le vote du sondage. C'est parti, je crois que c'est là. Choix du public. 15 petites secondes de gameplay sur chaque jeu. Ça fait une minute de vidéo. Et on se voit juste après. À tout de suite. Nous voilà donc avec, mesdames et messieurs, eh bien, là, le vote. Le vote de la Zilane. Et là, je vais repasser au PowerPoint. Donc maintenant, bah, j'ai envie de dire, c'est à vous de jouer. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer, bien sûr. Nous aurons donc, sur ce lien, vote Zilane 2023, le choix entre Unrailed, Turbo Golf Racing, Hyper Jam et Golf Gang, sachant que sur le lien que je vous donne là, qui normalement fonctionne, j'espère, OMG, vous avez la vidéo. Vous avez la vidéo, bien sûr, que je viens de vous montrer, si vous voulez vous remettre un petit peu dans la tête les images des jeux, bien sûr. Donc je précise que ces jeux seront joués peut-être en 2v2, peut-être en 1v1, peut-être en groupe. Voilà, on sait pas encore, on a le choix, ça dépend de ce que vous prenez, de où est-ce que vous allez mettre les trucs et tout. Non, pas de mapping pour Golf Gang, il y aura pas de mapping, effectivement. Pas de mapping pour aucun des jeux, d'ailleurs, hein. il va rien se passer du tout. Voilà. Ça marche chez moi. Bon, alors si ça marche pas, les gars, vous avez le temps pour voter, vous avez une semaine. Une semaine entière. Un petit peu moins, genre quelques jours. Donc vous inquiétez pas, vous pourrez de toute façon aller en parler plus tard à vos potes. Tous les votes comptent, on regardera à la fin ce qui se passe. Le lien est sensible à la casse. Je préfère que le lien est sensible à la casse, ce qui veut dire qu'il faut mettre les majuscules. Il faut mettre les majuscules sur le lien que vous voyez ici, sinon ça fonctionne pas. Voilà, d'accord? Bon. Ensuite, une fois qu'on aura ce jeu, il n'en restera qu'un. Et ce jeu-là, vous le connaissez. C'est ce jeu-là qui vient en finale tous les ans. Vous savez, ce fameux jeu. Vous savez, ce jeu mystère, cette épreuve mystère, qui n'est pas toujours un jeu.
qui n'est pas toujours un jeu. Il y a des mecs qui écrivent Worms, qui écrivent Civ. Non ! On peut rien vous dire ! En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Il y aura une épreuve mystère qui sera un jeu vidéo ou pas, à la Zilan, en 1 contre 1, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Là, il ne s'agira pas d'un FFA, machin. Donc, une épreuve mystère. Et on ne peut rien vous dire, malheureusement. On ne peut rien vous dire. On ne peut rien vous dire. J'aimerais vous dire. En plus, je sais. Ou alors, peut-être que je sais pas et qu'on décidera la veille, comme certaines Zilan. Mais, en tout cas, j'aimerais vous dire. Mais pour l'instant, je ne peux rien vous dire. Je suis soumis au secret professionnel. Et je suis d'ailleurs sous NDA. Je risquerais d'avoir une amende extrêmement forte si je révélais quoi que ce soit. C'est fini pour les jeux. Maintenant, il y a quand même quelques... Aouh ! Qu'est-ce que c'est que cet astre lumineux dans le ciel ? Je n'ai jamais vu ! Bref, ça nous fait donc ! Dans cette superbe Zilan 2023, on sait pas trop où dans le tournoi, mais en tout cas, présent dans cette liste de jeux. Minecraft, Trackmania, Valorant, Puzzle, Powerwash Simulator, Yusukat Parking, Shootmania Storm, Garry's Mod, Fall Guys, Northgard, le vote du public et un jeu surprise. Bon ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 épreuves. 12 épreuves, dont 10. Au moins. Qui sont des jeux vidéo. D'accord ? On a cassé le formulaire. Oui ! Retournez-y plus tard, ça marchera, vous inquiétez pas. Donc 12 épreuves, mais 10 jeux vidéo à bosser. Et vous pouvez commencer à bosser dès maintenant. Enfin, oui et non. Je vais vous expliquer un petit peu cette histoire de... Enfin, je vais vous expliquer la suite. Je vais vous expliquer la suite. Ah oui ! Petit détail quand même. Comme d'habitude, pourquoi il y a des paquets cadeaux ? Pourquoi je vous dis ça ? Les jeux sont offerts. La plupart des devs nous ont donné des clés des jeux. Ou alors les jeux sont gratuits. Bon, en vrai, pas tous. Garry's Mod et Minecraft. Bon, le problème, c'est que c'est Valve et Microsoft, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, les gars. Mais en vrai, Microsoft, là, des clés Game Pass et tout, là. Ah mais non, parce qu'il faut, il nous faut Java, nous. Minecraft, Java... Bon, Garry's Mod, étant donné que personne ne travaille chez Valve, ils ont fait genre que des gens travaillaient à l'annonce de CSGO. On a vu des gens filmer dans des bureaux, là, alors qu'en fait, c'était des vidéos Shutterstock, puisque personne ne travaille chez Valve, évidemment. Quand tu connais quelqu'un qui travaille chez Valve, bah, c'est juste un menteur, en fait. Donc, évidemment, vu que personne n'existe chez Valve, enfin, c'est pas vraiment Garry's Mod, mais vous voyez ce que je veux dire, bref. Donc, vous avez compris, quoi. Très difficile pour Garry's Mod. Tout le reste, en tout cas, des jeux sont offerts. Ça représente quand même pas mal d'argent, et les développeurs ont tous bien joué le truc. J'ai mis quoi en haut ? Ah, pour le jeu du sondage, on verra, on va demander, ça devrait le faire, je suppose. Ouais, parce que dans les 4 jeux qu'il y a, il y a des petits jeux indé cool et tout. Je sais pas qui gagnera, mais sur les 4 jeux, je me suis dit, non, mais c'est bon, on va leur demander, il y en a, on les connaît, je sais pas, on verra, tu vois. Moi, je pense que c'est bon. Bon ! Avant de parler des inscriptions, on va parler de quelque chose qui, je sais, intéresse beaucoup de monde, ce sont les qualifications. Rassurez-vous, on a bientôt fini, je vous avais dit à peu près une heure. Salut Adrien, il y a encore un RTS, toujours pas de jeu de combat, un oubli ? Vous voulez que je vous raconte ? Allez, je vais vous raconter avant les qualifications, je vais vous raconter ce qui s'est passé. À la base, dans le choix du public, il y avait Multiversus. Multiversus qui a récemment annoncé que les serveurs allaient fermer en juin. Et on s'est dit, bon bah c'est pas grave, ce fera le dernier événement Baroud d'honneur pour Multiversus, ce sera pas mal, en plus c'est un jeu de combat et tout. Et puis, récemment... en plus d'annoncer que les serveurs allaient fermer en juin, Multiversus a annoncé que le jeu ne serait plus téléchargeable à partir du 3 avril. Et donc là, on s'est posé la question. On s'est dit, annonce Zilan, 4 jours plus tard, jeu plus téléchargeable. Est-ce qu'après, s'ils modifient la date et qu'ils décident de fermer les serveurs plus tôt et qu'ils s'en foutent de la Zilan, on l'aura pas dans le HUC ? On s'est dit, le risque est un petit peu trop grand, ne prenons pas le risque. Du coup, on a envoyé un petit peu des mails en disant, est-ce que si on fait la Zilan, machin... Mais on parlait pas directement à Warner, on parlait à des gens qui peuvent parler à Warner et qui, eux, nous ont fait comprendre qu'ils en avaient un peu rien à foutre et qu'il valait mieux pas prendre le risque de mettre un jeu comme ça dans le choix des votes à la Zilan. Sachant qu'il n'était pas dans le line-up des jeux à la Zilan, il était dans le choix du public Multiversus. Mais voilà, on parlait à Warner TKT. Ouais, bref, dans tous les cas, écoutez, c'est Dash qui a géré ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que... On s'est fait un peu... ils nous ont un peu fait comprendre qu'ils s'en battaient un petit peu les couilles et qu'il valait mieux pas prendre le risque, effectivement. D'accord ? Voilà le cas du Versus Fighting. Après, si tu veux, Étoile, on peut mettre Brolala dans les votes, y a pas de souci. Bon, bref, les qualifications, mesdames et messieurs ! Alors, inscription ouverte à tous, gratuitement. Mais nous n'offrons pas les jeux. Alors j'aurais dû mettre qualification. Bon, inscription aussi, c'est ouvert à tous, hein. Mais c'est pas gratuit. Si, tu peux t'inscrire gratuitement et si t'es sélectionné, tu payes pour rentrer parce que... Hein ? Bon, bref, qualification. Ouverte à tous, gratuitement, mais on n'offre pas les jeux. C'est bon ? On n'offre pas les jeux. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer, les qualifications. Déjà, il faut que je vous dise que les qualifications, elles vont se passer le week-end du
9 avril. Elles vont se passer le dimanche 9 avril. C'est pas dans la slide, mais ce sera récapitulé après. Et je vous expliquerai, voilà. Parce qu'il faut que ce soit assez tôt. Et donc, vous aurez assez peu de temps de training. Mais vous inquiétez pas, vous n'aurez pas beaucoup de choses à bosser. Vous aurez à peine 4 jeux à bosser de la Zilane. Bref, pourquoi je vous parle des qualifications maintenant? Puisqu'en fait, parmi les qualifications de la Zilane, il y aura 4 jeux de la Zilane dans lesquels vous pourrez, eh bien, vous entraîner. Et voir si vous êtes les meilleurs. Bref, voilà comment ça va se passer. Mesdames et messieurs, il y aura nombre de places illimitées. Et vous allez commencer sur une map Trackmania qui sera construite pour l'occasion. Je rappelle qu'on n'offre pas les jeux. Et on parle de Trackmania 2020, le dernier qui est sorti, celui sur lequel il faut un abonnement pour jouer aux maps perso. Attention, attention, hein, renseignez-vous bien sur ce qu'il faut. Après, le jour J, si vous ne pouvez pas entrer sur les serveurs parce que vous n'avez pas les bonnes versions des jeux, ce ne sera pas notre problème, d'accord? Vous comprenez? Bref, je suis en repas de famille, c'est mort. Oh, oh c'est bon, les Zilan, il n'y en a qu'une par an, la famille, il y en a d'autres des week-ends, non? Bon, donc une map Trackmania construite pour l'occasion, une map que je vais faire là, cette semaine. Elle va être faite soit je map demain, soit je map après-demain, ok? Donc, mesdames et messieurs... Mesdames et messieurs, je rappelle, Trackmania, une map, place illimitée. Ensuite, de tout ce qui reste, il y a 320 joueurs seulement. Donc les 320 meilleurs joueurs de Trackmania, ils passeront sur Shootmania, en mode Royal Race. Et vous allez vous départager sur Shootmania, ça va être super, piou piou, vous tirez sur les trucs, vous prenez les poteaux, vous avancez les obstacles et tout. Donc ça, c'est pour les qualifications, je rappelle. Hein. Je rappelle que ça, c'est les qualifications. Sur ces 320 meilleurs joueurs, hop, on prend les 38 meilleurs joueurs. Donc il y en a quasiment 300 qui dégagent. Et vous passez sur Fall Guys. Ça devait être 58, mais le lobby c'est 40, on l'a appris aujourd'hui. 38 joueurs passent sur Fall Guys, sur la map de la saison actuelle. Sauf qu'en fait, il n'y a plus de map de saison actuelle, ça aussi ça a changé. Bref, sur une map de Fall Guys, vous serez 38 dans le lobby, mesdames et messieurs. Évidemment. Et voilà. Ensuite, 8 joueurs passent sur Youssouk at Parking. 8 joueurs passent sur Youssouk at Parking. Évidemment, 8 joueurs passent sur Youssouk at Parking. Vous ne serez plus donc que 8. C'est superbe. Et ensuite, les deux meilleurs seront qualifiés en fonction des performances sur les 4 jeux de toute la soirée. Ok ? Hop ! Voilà ! Voilà pour les qualifications ! Et oui, il n'y a que 2 personnes qualifiées. Eh oui, il y a que 2 personnes qualifiées. J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas mieux que 0? Moi, je pense. Hein. LAN ouverte. Alors non, parce qu'attendez. Là, je parle des qualifications. Je parle pas des inscriptions pour aller à la ZLAN. Parce que vous avez pas trop compris. Mais vous vous souvenez pas comment ça se passe. Les inscriptions, c'est sur tirage au sort et compagnie. Là, je parle des qualifications. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai que j'aurais pas... Ah oui, parce que là, les gens qui ont pas connu la ZLAN avant, ils comprennent pas. Là, ils se disent, ah oui, il y a que 2 personnes à la ZLAN. Et tous les autres, c'est des streamers et tout. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est des qualifications, comme ça vous êtes sûr d'avoir une place. Vous n'êtes pas dans le tirage au sort. Ah, c'est vrai que c'est mal écrit ça. Les qualifiés payent leur inscription quand même. On vous invite. Inscription, déplacement, hôtel et PC sur place. Offert plus massage, non. Vous aurez l'inscription, le déplacement, l'hôtel et le PC sur place, bien sûr. Vous êtes invité. Vous êtes invité. Vous êtes invité, bien sûr. Oh, oh, oh. On n'est pas des bêtes. On n'est pas des bêtes, bien sûr que vous êtes invités. Évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et vous venez à 2, et vous serez côte à côte, ce sera les 2 qualifiés sur la ZLAN. Pour eux, c'est pas RTTB, effectivement. Le ciel! C'est quoi le ciel? Ah oui! C'est le paradis, c'est les partenaires, bien sûr. C'est les partenaires. Je sais qu'il y en a certains qui signent après, quand ils réalisent qu'en fait, ça peut faire plus de 10 000 viewers une annonce ZLAN. Mais pour tous ceux qui nous ont fait confiance avant et qui nous suivent depuis longtemps, gros big up aux 2 partenaires majeurs, Omen et Cdiscount Gaming, qui nous suivent depuis longtemps sur les aventures de la ZLAN. Merci beaucoup de votre confiance, évidemment. Ça régale. Je vous salue bien bas. Sans eux, ça ne pourrait pas arriver. En vrai, même avec eux, c'est déjà chaud. Mais au moins, ils sont là et ils nous font confiance, donc ça fait trop plaisir. Et 3 partenaires ensuite, donc 3IS Education, Maxnomic et... OVH Cloud qui va nous aider notamment sur toute la partie infra, sur certaines choses qui arriveront plus tard. Maxnomic et 3IS, on en reparlera aussi. On reparlera de tous ces partenaires, mais je voulais quand même faire un petit shout-out à tous ces, à toutes ces marques qui nous permettent de faire la ZLAN. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et à tous ceux qui ont mis 500K ou quoi au GP Explorer. Et franchement, si vous mettez juste 10-15 balles dans la ZLAN, nous on peut le faire. Hein. C'est pas les mêmes échelles, je sais, mais...
promis, ça peut faire. Des fois, il y a des gens qui voient nos tweets et tout, hein. Vraiment, vous pouvez sponsoriser la Zilane, c'est super la Zilane. Venez, c'est super. C'est super. Non, parce que je sais que maintenant, les marques, si elles ont le choix dans l'année, ben oui, elles vont aller sponsoriser un grand projet pharaonique. Mais nous, promis, déjà, si vous nous filez 200 balles, on peut trouver un truc. On tend une toile, on fait une épreuve surprise, genre de fléchette comme ça. Est-ce que j'ai dit que l'épreuve mystère ? Peut-être, on verra, on sait pas. Mais non, ce sera pas les fléchettes. J'ai déjà parlé, pourquoi ce serait pas les fléchettes ? Oh ! Donc bref, 200 balles, c'est 10 puzzles. Voilà, exactement. Des puzzles comme ça, qu'on... Ok ? Non, ce serait énorme. Bon, bref. C'est quand, la Zilane ? Les qualifs, les inscriptions. Donc je rappelle que les qualifications, c'est pas les inscriptions. Déjà, on va parler de la date de la Zilane. La Zilane, ce sera le 12, 13, 14 mai 2023. Pourquoi c'est pas le week-end d'après ? Parce qu'il y a le Major CSGO. Pourquoi c'est pas le week-end d'avant ? Parce qu'on n'est pas pressé trop tôt. Oui, mais là, il y a la sortie de Zelda. Eh ouais ! Eh ben, tu sais quoi ? T'attendras 2-3 jours histoire qu'il y ait le patch 60 FPS, tu rentres chez toi lundi, et hop, tu commences Zelda, et c'est super ! Comme ça, t'as pas vécu tout ce qui s'est passé avant pour avoir ton Zelda full frame rate. Formidable ! Tout le monde est content, c'est une date qui fonctionne avec tout le monde, et c'est super. Non, c'est super, c'est super. Inscription Zilane plus qualification. Ouverte le 29 mars au 8 avril. Donc ça, c'est les inscriptions, ok ? Plus les... Alors, je précise que quand vous vous inscrivez, vous pouvez cocher une case « Je veux aussi faire les qualifications ». En fait, c'est un peu la même inscription. Et donc, je rappelle, les gens qui s'inscrivent à la Zilane seront tirés au sort. Mais il y aura aussi l'inscription streamer, dont on reparlera bien sûr sur la page d'inscription directe. En gros, là, je voulais pas vous bassiner avec le système d'inscription streamer et tout, mais je vous en avais déjà parlé sur Popcorn. Ce qui va se passer, c'est que... je vous en parle très rapidement à l'oral, mais je voulais pas l'écrire pour que ça perturbe un petit peu le truc. Et en plus, on pourra vous l'inscrire mieux dans le format de l'inscription, mais... En gros, vous liez votre compte Twitch, et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin des inscriptions, nous, on prend tous les comptes Twitch, on regarde combien ils ont fait de vues sur les 365 derniers jours, en excluant le mois de mars. Bande de petits tricheurs qui ont botté vos chaînes pour faire des petites vues pour être pris à la Zilane. On vous a vu. Et voilà, donc en excluant le mois de mars, bien sûr. Et ensuite, en prenant ça, on fait la moyenne de vos petits duos, et on vous amène sur les 50 premiers duos. Ce sera streamer et leurs potes. Les 50 autres duos, ce sera des gens tirés au sort non streamer, qui ont rien à voir, évidemment. Donc, voilà. Plus les deux qualifiés, bien sûr. Donc, en fait, ce sera probablement 50 duos de streamer, 48 duos non streamer. Enfin, ouais. Et un duo... 49 duos non streamer et un duo comme ça. Ok ? 50 duos, 49 duos, un duo qualifié. Inscription en duo obligatoire ? Non, 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 bien sûr que non. C'est pas inscription en duo obligatoire du tout. Évidemment que non. Évidemment que non. Vous pouvez vous inscrire seul. Vous pouvez vous inscrire seul. Vous pouvez vous inscrire seul. Évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Bon, voilà ! Ah oui, avec le résultat du sondage des jeux, bien sûr, il y aura ce jour-là. Donc, en gros, la date que vous devez retenir, c'est... Si vous voulez vous inscrire, ça va s'inscrire là, dans pas longtemps. Et là, tirage au sort, 9 avril à 17h sur ma chaîne Twitch. Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait... On va faire les qualifications. Mais en fait, il y aura deux jeux des qualifs. Après, il y a un match mandatory au milieu. Et ensuite, on fera les deux jeux qui restent. C'est... Le planning en ce moment, c'est assez lourd. Bref, le résumé de tout ça. Le résumé de tout ça, mesdames et messieurs, avec la nouvelle direction artistique de la Zilane qui nous inspirera aussi tout l'univers et le plateau. Vous verrez ce qui se passe. On a fait beaucoup de choses. Les équipes graphiques, les équipes de graphistes travaillent énormément tout ça avec la scénographie. Bref, c'est ouf. C'est super rigolo et c'est super. Et c'est super beau. Donc, moi, j'adore. 12-13-14 mai, édition 2023, 200 joueurs, 52 023 euros de cash prize, qualification rendez-vous le 9-4, inscription ouverte jusqu'au 8-4, inscription.z-lan.fr, tirage au sort le 9-4, les jeux, Fall Guys, Yusuke at Parking, Minecraft, Northgard, Garry's Mod, Valorant, Shootmania, Storm, Powerwatch Simulator, Trackmania, Puzzle, jeu, surprise, vote du public, plus d'informations sur z-lan.fr, et vous avez normalement le site qui marche. Mais voilà. Ça va s'actualiser au fur et à mesure, ok ? Ah, le site marche pas. Let's go. Et donc normalement, on est pile à une heure de présentation à peu près. C'était bien bossé cette histoire. Donc voilà pour la Zilane, mesdames et messieurs. Et alors là, je vais vous demander un dernier truc, comme je vous le demande souvent à la Zilane, c'est-à-dire que je vais vous demander de faire le retweet, le classique retweet de l'annonce de la Zilane 2023. Donc évidemment, hop. La Zilane 2023 qui est ici. Je vais vous montrer ça. Paf, je vous envoie le lien. Les modérateurs peuvent l'envoyer aussi. L'annonce des casters. Alors comme d'habitude, les commentateurs, ce sera après, comme tous les ans.
comme exactement tous les ans, il y aura les commentateurs, évidemment, jusqu'à... on fera des annonces au fur et à mesure, en fonction des jeux, et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Erreur de service Twitch pour les inscriptions, ça marchait il y a une 10 minutes, mais ça va revenir. Oui, oui, bon, voilà. On connaît, on a l'habitude. On a l'habitude. Elle est de retour. Donc, petit... hop. Petit hashtag Zian 2023. On est content. Et voilà, super. Bon, ben voilà. On y est. La Zian 2023 est annoncée. Vous pouvez donc, dès à présent, vous entraîner. Bien sûr. Mais vous pouvez aussi, vous pouvez aussi ne pas faire les qualifs. Et vous en foutre totalement et vous dire, moi je participe au tirage au sort et si je suis pas pris, tant pis. Hein. Vous pouvez aussi faire ça. Hein. Vous pouvez aussi faire ça, évidemment. Ok ? Donc voilà, dès à présent, c'est parti pour les entraînements. Ça se passe où ? Ça se passe à Lyon. Mais ça, ce sera sur le site. En fait, en gros, si vous avez des questions, regardez d'abord si elles sont pas sur le site en vous inscrivant, évidemment. Et voilà.